Bonjour à toutes et à tous. Résoudre un système d'équations, c'est trouver le couple solution de ce système. Le couple XY vérifie les deux équations en même temps. Dans cette vidéo, on va résoudre graphiquement le système d'équations 3x moins y est égal à 1 et 2x plus 3y est égal à 19. C'est parti. Résoudre graphiquement le système d'équations 3x moins y est égal à 1 et 2x plus 3y est égal à 19. Donc, pour résoudre cette équation, on doit représenter graphiquement l'équation 3x moins y est égal à 1. 3x moins y est égal à 1, c'est l'équation d'une droite. Donc, je donne comme nom la droite D1 et 2x plus 3y est égal à 19. C'est aussi une équation de la droite. Donc, je vais donner comme nom D2. Pour tracer la droite D1 dans un plan, donc je dois déterminer deux points distincts de la droite D1. Donc, pour cela, je vais essayer de trouver deux points distincts de la droite D1. Donc, je me servir d'un petit tableau pour définir les deux points distincts. Voilà. Je donne ici le nom, le point A et le point B avec les coordonnées x, y. Donc, si je donne AX est égal à 0, la première équation, j'aurai 3 fois 0 moins y est égal à 1. Donc, y à quoi est égal? Y est égal à moins 1. Donc, 0 a pour image moins 1. Et si je donne ax est égal à 1, donc j'aurai 3 fois 1 moins y est égal à 1. Donc, dans ce cas, y est égal à 2. Car 3 moins y est égal à 1. Donc, on aura y est égal à 3 moins 1, c'est 2. Donc, pour 1, on aurait l'image, c'est 2. Donc, on a déjà deux points de D1, deux points distincts. Le premier point, c'est A de coordonnées 0 moins 1. Et le deuxième point, c'est 1 d'abscisse 1 et de l'ordonnée 2 pour le point B. Donc, je passe à la deuxième droite des deux. De la même manière, je trace un petit tableau. Je vais donner comme deux points E et F. E et F, ici X ou ici Y aussi. Pour la deuxième équation, si je donne AX est égal à moins 1, donc 2 fois moins 1, plus 3 fois Y est égal à 19. Donc 2 fois moins 1, c'est moins 2. Moins 2 plus 3y est égal à 19. Donc, automatiquement, 3y est égal à 21. Parce que 19 plus moins 2, ça donne 21. 21 divisé par 3. Donc, y est égal à 7. Pour la valeur moins 1, on a l'image, c'est 7. Maintenant, je vais donner par exemple à x est égal à 8. Et je vais essayer de trouver le y. Donc, on a aussi 2 fois 8 plus 3y plus 3y est égal à 19. Donc, 3y est égal à 19
à 19 moins 16. Parce que ici, 2 fois 8, c'est 16. Donc, 3y est égal à 3. 19 moins 16, c'est 3. Donc, y est égal à 3 sur 3, c'est 1. Donc, 8 a pour image 1. On peut tracer les deux droites D1 et D2 dans un repère autonome. Donc voilà, je vais présenter le point A, donc le point A, et le point B pour la droite D1. Donc par A et B, ils passent la droite D1, donc c'est la droite D1. Donc voilà, je place les points E et F de la droite D2. Donc E a pour image moins 1, 7. Puis je place le point F, F d'abscisse 8, de l'ordonnée 1. Donc voilà, le point F. Alors je trace la droite D2. Donc les deux droites D1 et D2 semblent se couper à un point de coordonnées de 5. Donc, le système semble avoir pour solution le couple de 5. Alors, on vérifie. Donc, on a dit, résoudre le système, c'est de trouver le couple XY, vérifie les deux équations en même temps. Donc, on vérifie pour la valeur, pour les deux valeurs 2 et 5, dans les deux équations, pour voir si 2, 5 est la solution de notre système d'équations. Donc, notre système, c'est 3x moins y est égal à 1, et 2x plus 3y est égal à 19. Si je donne à x 2, on a 3 fois 2, moins y. Y c'est 5. Donc, je fais le calcul. 3 fois 2 c'est 6, moins 5 c'est 1. Donc, le couple de 5 vérifie la première équation. Donc, pour la deuxième équation, 2 fois 2, moins 3 fois y. Donc, 3 fois y, pardon. Donc, y c'est 5, 3 fois 5, 3 fois 5, et je fais le calcul. Donc, est égal, 2 fois 2, c'est 4, moins 15, donc plutôt, ici il y a plus, donc plus 15, est égal à 19. Donc, les deux nombres de 5 vérifient aussi la deuxième équation. Donc, c'est bien la solution du système d'équations. Donc, 2, 5 est la solution de
est la solution du système d'équations. Donc, ma vidéo touche à sa fin et à la prochaine vidéo pour d'autres exercices. Bon courage.